Voilà. Les gens ont commencé depuis un certain temps. Pourquoi j'ai fait des vidéos et puis je dis 2025, j'ai fait un post pour dire ah, il faut réellement revoir beaucoup de choses au sein du parti. Parce que pour moi, j'estime que beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien. Mais on dit non, Zasso critique les cadres. Zasso critique les cadres. Zasso critique les cadres. Vous voyez, j'ai fait un post là. Sur cette affaire de immilitant, l'affaire de immilitant, ça se sert du RHDP. En 2023, ils ont lancé immilitant pour recenser tous les militants du RHDP. On a fait beaucoup de publicité, on a mis beaucoup d'argent dedans. Quand vous partez faire des recherches, on a trouvé 120 000 militants. Ça, c'était à partir de 2023. Il n'y a pas longtemps, Ibrahim Cissé Ba Congo a fait une conférence de presse. Il dit que sur les 3 500 000 militants qu'on attendait, nous sommes actuellement à combien? Nous sommes à 400 000 militants. Je répète bien, il faut que les gens m'écoutent très bien. Sur les combien de militants, immilitants, dont on a parlé au RHDP, immilitants. Ce matin-là, j'ai fait un post dessus, c'est sur ça que je reviens. Immilitants, pour connaître le nombre de militants dans notre parti. De 120 000, on est aujourd'hui à 400 000 militants. Aujourd'hui, cette opération qui devait nous permettre de recenser ces militants, cette mobilisation des militants sur la liste électorale, nous sommes à 400 000. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes au pouvoir, nous avons l'appareil de l'État, nous avons tous les moyens de l'État. Nous ne sommes plus dans l'opposition. Je vois aujourd'hui que quand on était dans l'opposition, on est plus fort que quand on est au pouvoir. Quand on était dans l'opposition, il y avait la solidarité, il y avait la fraternité, c'est un parti fort. Les militants étaient engagés. Les militants même cotisaient. Les militants participaient à construire le parti. Aujourd'hui, là, quand moi, Zasso, j'observe, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Quand tu parles, on dit non, tu n'aimes pas Ouattara. Mais vous n'aimez pas le président Ouattara que moi. Et puis vous ne pouvez pas me distraire avec ça. Moi, je me bats pour la construction d'un parti politique. Quand moi, je venais au RDL, là, je ne suis pas venu pour dire non, je viens pour aimer le président Ouattara. Je viens pour aider le président Ouattara à construire un parti. Nous nous sommes battus. On a mené un combat digne. On n'est pas venu pour dire aimer quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu aimer quelqu'un. Je suis venu pour aider le président à réaliser sa vision politique, c'est-à-dire sa vision qu'il avait. C'est pour ça que nous avons mouillé le maillot. Et on a eu 38% au premier tour. J'ai fait presque toute la Côte d'Ivoire avec les nombreux cadres du parti. Non, je connais la Côte d'Ivoire, je connais le parti, je connais les mentalités. La fois dernière, j'ai posé le problème. J'ai dit, mais regardez aujourd'hui dans le parti. Ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. 2025 approche. 14 ans qu'on est au pouvoir, 2025 approche. Pourquoi moi je dis, vous n'avez pas prévu Thiam, vous n'avez pas prévu Gbagbo? Mais c'est une vérité. Dans un combat politique, il faut avoir une vision. Il faut savoir ce qu'on veut. Dès qu'on prend le pouvoir, il faut construire le pouvoir. Il faut construire le système et penser à demain. Mais chez nous, quand tu poses le problème, ah non, il a faim, il a ceci. Personne ne cherche votre héritage. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. C'est l'héritage de nos ancêtres. Quand on crée un parti politique, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour une communauté, ce n'est pas pour un groupe ethnique, ce n'est pas pour une région, non. On crée un parti politique pour s'occuper de changer les conditions de vie d'un peuple, d'une nation. Dans ce combat que nous sommes. Donc, moi, je ne suis pas dans un combat. Pourquoi on m'aime? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on doit aimer, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait pour que les Ivoiriens, véritablement, se sentent à l'aise dans leur pays? C'est le combat. C'est pour ça que moi, j'adhère au président Alassane Ouattara. Je l'ai toujours dit, dans le système, personne ne peut m'intimider, personne ne peut me distraire sur quoi que ce soit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je donne mes opinions. Mes opinions blessent des gens. Mais ce que ça blesse là, c'est des tribalistes, c'est des communautaristes, c'est des gens qui veulent nous imposer une vision. Ça dit que nous, on n'est rien. On est dans le parti, on doit les suivre. C'est pas bon, on n'a qu'à dire c'est bon.
On n'a qu'à aller à gauche. Non, moi je suis ivoirien avant tout. Avant tout, je suis ivoirien. C'est mon pays. Donc personne ne peut me distraire. Non, je veux dire à mon petit frère Benito, c'est aussi les gens insultent là, mais c'est leur éducation. Aujourd'hui, là, dans l'URHDP, quels sont ceux qui m'insultent? Quels sont ceux qui m'agressent? Mais je connais. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance, ils doutent d'eux. Moi, je ne doute pas de moi. Ils sont là, ils vont dire, ah, Zassou a trahi. Zassou a fait ceci. Mais quand on veut parler de débat de trahison, si moi je vais rentrer dedans là, mais ça va casser, ça va nous casser, nous tous, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Si moi je vais rentrer dans le débat de trahison, on ne peut pas aller loin. Moi j'étais dans le pays quand il y a eu la rébellion. Moi j'étais au RDA. J'étais porte-parole du président Alassane Ouattara. Moi je sais beaucoup de choses qui se passaient, j'ai vu des choses. Non, les gens ne peuvent pas se lever pour me dire, ah, Zassou a fait ça, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai eu le temps de vous donner des certaines choses, mais je ne peux pas passer tout mon temps à me justifier. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, 2025 approche. 2025 approche. On fait quoi? Quel est l'esprit et la stratégie? Hier, Gbagbo vient de se déclarer candidat. Mais Gbagbo vient de la Cour pénale internationale. Après combien d'années de la Cour pénale internationale, Gbagbo remplit aujourd'hui de grands espaces. Ah, il ne faut pas s'asseoir va dire ça. Mais il faut que je vous dise ça. Même si ça vous fait mal, mais je dois vous dire ça. Tiens, moi, il va faire demain, il va finir d'enterrer Bédier. Tiens, moi, il va finir d'enterrer Bédier. Tiens, moi, va occuper le terrain. Non, on ne sera plus seul sur le terrain. 2025, on ne sera plus seul sur le terrain. Aujourd'hui, dans le système, on a perdu Amadou Gon. On a perdu Ahmed Bakayoko. Mais c'est des hommes puissants du système. Amadou Gon et Ahmed Bakayoko sont un pourcentage important. Parce qu'eux, ils ne vivent pas en communauté. C'est des cadres qui ont compris que la force du président Ouattara, ça doit être tous les Ivoiriens. Non, eux là, c'est des gens qui ont toujours été ouverts. C'est des gens qui ont été ouverts. Mais aujourd'hui là, on avait des cadres. On est aujourd'hui des cadres, on a nommé des cadres. Je vous le jure, moi je sais ce qu'on appelle l'administration, être ministre, être DG, être ceci. Mais quand on est DG, on est ministre, on doit être au service de son pays. Aujourd'hui là, quand vous arrivez dans nos systèmes, nos cadres sont plus à la disposition de leur région. Alors que dans les régions, il y a des maires et il y a des présidents des conseils régionaux. Il y a des présidents des conseils régionaux. Moi-même, je connais des régions où des cadres se battent. Des cadres sont en conflit, constamment en conflit. Mais ces difficultés ont fragilisé et ont sabote aujourd'hui notre combat politique sur le terrain. C'est une vérité. Vous ne voulez pas qu'on vous dise, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, on est foncièrement divisé. On était dans un RHDP où il y avait Soro, où il y avait Bédier. Bédier est parti. Bédier dit qu'il a été trahi. Soro dit qu'il a été trahi. Je répète bien, Bédier dit qu'il a été trahi. Soro dit qu'il a été trahi. Soro dit, j'ai publié ça sur ma page, il dit non, lui, on lui avait promis le poste de vice-président. Mais Soro là, c'était un chef rebelle. C'était un chef rebelle. Il a fait une rébellion, moi qui a tué mes parents. Je ne peux pas m'attendre à Soro. Soro a été amnistié. On ne peut pas finir d'amnistier quelqu'un et puis il va reprendre les mêmes bêtises et puis on va l'amnistier encore. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter qu'on amnistie Soro. Soro n'est pas le seul. Il y a des gens qui m'appellent, je voudrais dire à mon petit frère Benito, il y a des gens qui m'insultent parce que j'ai dit que l'appel, quand Soro Dio m'a appelé le président Ouattara, mais mes vidéos ont gêné beaucoup de personnes. Pourquoi moi je m'oppose? Mais c'est mon droit. Je ne suis pas un mouton. Moi je suis un soldat. Je suis un soldat de la République. C'est-à-dire, moi là, je n'ai pas dit militaire, mais je suis un soldat parce que tout militant, c'est-à-dire tout sympathisant est d'abord un soldat. Donc moi je suis un soldat qui soutient le président Alassane Ouattara. Je suis un soldat au service de son combat. Je ne suis pas un mouton. Et je ne peux pas accepter qu'on m'appelle mouton. Je ne peux jamais accepter. Je ne peux jamais accepter qu'on m'appelle mouton. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un militant, j'adhérais dans un pays parti librement. Je ne peux pas accepter qu'on m'appelle un mouton. Si les gens ont accepté d'être mouton, mais ça c'est leur problème. C'est leur problème. Ils ont mal, mais moi je vous dirai toujours la vérité, je n'aurai même pas de complexe. Et personne ne peut m'intimider. Moi je vois des gens qui menacent, mais allez-y menacer Soro. C'est Soro qui se bat pour renverser le président Ouattara.
C'est Soro qui se bat pour faire un coup d'État. C'est Soro qui se bat pour faire un coup d'État. Moi, je ne me bats pas pour faire un coup d'État. Je vois beaucoup de vidéos que les gens multiplient contre ma personne. Je leur ai dit, mais c'est parce que je suis bêté que vous m'agressez. Vous voyez à moi, Babo. Moi, je ne m'appelle pas Babo. Je ne m'appelle pas Babo. Dans le parti de Babo, il y a des fils du Nord dedans. Dans le parti de Babo, les Katina là sont des fils du Nord. Il y a beaucoup de fils du Nord. Le FPI a été créé avec des fils du Nord. Mais pourquoi quand vous me voyez là, vous avez toujours une haine? La fin de 2010, je l'ai dit toujours, j'ai dit, mais 2010, ça, c'était Touré Mamadou, c'est pas moi. Moi, j'étais chez moi à Gagnon. Mais parce que Ahmed m'appelait à la dernière minute que je suis arrivé. Mais dans ce pays-là, les gens ont tenté d'assassiner. Soro Diom, même là, on a failli, il a fui la RTI. Soro Diom, là, il a fui la RTI. En 2003, là, quand on l'a nommé ministre de la Communication, lui-même, il sait ce qui s'est passé avec la FESI. En 2010, j'ai été confronté à mes réalités. Vous allez un peu net, ils vont aller chercher, il y a un monsieur lundi, il l'appelle Johnny Pacheco. Quelqu'un qui était militaire du régime Babo. Moi, je sais combien de fois il a traqué les pro-Babo. Moi, je sais. Mais souvent même, on voit le pays, c'est-à-dire, il y a des gens qui l'appellent. Non, Zasso a dit ça, il faut aller attaquer Zasso. Et tu le vois tellement, il est bête. Il est sauvage dans sa tête. Il va venir faire des vidéos et il m'attaque. Une fois, il a essayé deux fois, mais c'est combien de fois j'ai couru à lui. Et je lui ai dit, tu continues là, il va toujours te poursuivre. Ton arrivée au RHDP là, tu sais comment ça s'est fait? Surtout Tremetreme, qui est mon ami que je connais. Mais c'est lui-là que tu as appelé, que Johnny a appelé pour dire qu'il a des problèmes avec Stéphane Kipré. Il veut avoir avocat. Moi-même, il m'a appelé. Il m'a envoyé ses documents de justice. Il voulait de l'argent. Moi, j'appelais des cadres dans le parti. Je lui ai dit, mais les gens là, ils ne peuvent pas toujours t'utiliser, puis tu vas m'attaquer sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne peux pas. Moi, Zasso, là, tu ne peux pas. Parce que si tu veux courir à moi, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que moi, je ne suis pas dans un parti pour qu'on m'aime. Je suis dans un parti parce que j'ai un objectif à atteindre avec ce parti. C'est ça qui est ma priorité. Moi, Diaby Liapse ne m'a pas donné l'argent pour revenir au RHDP. Moi, je suis venu au RHDP de moi-même. De moi-même. Moi, je ne suis pas allé voir quelqu'un pour dire je vais faire mariage, voilà des factures. Je ne l'ai jamais fait. Moi, j'ai des preuves, des factures de mariage. De ce monsieur que vous appelez Johnny Pacheco, que vous manipulez, moi j'ai des preuves, des factures de ce mariage. Qu'il allait déposer dans chaque ministère, j'ai des preuves. Vous partez le chercher, va attaquer ça, va attaquer. Mais il ne peut rien me dire. Et je le mets au défi. Il n'a qu'à prendre même sa page, il n'a qu'à venir sur ma page, on fait débat. Je vais lui dire combien de fois il est plus escroc et plus malhonnête. Je lui dirai ça. Combien de fois il est plus escroc et il est plus malhonnête. Je lui dirai ça. Tantôt tu es PPAC, tantôt tu es MPA, tantôt tu es ceci. Et c'est toi qui te promets sur des trucs. Tu penses que toi, tu ne peux pas. Babo est au pouvoir. Et moi, j'ai soutenu le président Ouattara. Donc, personne ne peut m'intimider. Aucun cadre ne peut me faire du chantage. Je suis libre de donner mes opinions. Aucun militant ne peut me distraire. Parce que nous, on sait à quel moment nous, on a pris du risque. Le risque qu'on a pris là, on n'était pas au pouvoir. C'est quand là où c'était dû, là, c'est là où on a pris risque. C'est pas aujourd'hui où tout va bien, quand on dit non, on prend des risques. C'est pas ça qu'on appelle les risques. Nous, on a pris le risque quand c'était dû. C'est ça qu'on appelle le risque. Donc, quand Zasso parle, pose les problèmes, Zasso est inquiet. On a perdu Ahmed Bakayoko, on a perdu Amadou Gon. Mais quand Amadou Gon avait été choisi comme premier ministre, avant qu'on ne le choisisse, même quand le président Ouattara a parlé de nouvelle génération, je commence même par ça, j'ai été celui qui a dit qu'il s'est opposé à cette histoire de nouvelle génération. Parce que pour moi, les gens n'étaient pas encore préparés. Les gens n'étaient pas encore préparés pour gérer le pouvoir après le président Ouattara. Non, il faut donner le temps au président Ouattara. Mais j'ai été insulté, j'ai été traité de tout. Et c'est le même comportement. Quand tu donnes ton opinion, ils vont courir seulement pour venir t'insulter. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont tellement limités, bordés. Tout leur truc, c'est venu faire vidéo et puis insulter. Mais réfléchissez, vous êtes dans un parti. Au RDL, nous, on réfléchissait. C'était des débats au RDL. Et sur la place publique, au cours des meetings, moi, je critiquais les cadres. Mais ça menait beaucoup de cadres à prendre conscience.
Aujourd'hui, vos cadres ne prennent plus conscience parce qu'ils sont riches. Ils sont devenus puissants, ils sont riches. Ils ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent plus aujourd'hui. Christelle, vous pouvez m'excuser un peu. Quand je vais finir, je reviendrai à vous. Beaucoup ne se contrôlent pas aujourd'hui. Moi, Zazo, qui suis là, ma meilleure façon d'aider le président Ouattara, c'est d'être honnête. Et je continuerai d'être honnête dans cette lutte. Si les choses ne sont pas justes, je viendrai dire que ce n'est pas juste. J'ai vu des gens applaudir ici, j'étais en Suisse ici, quand les gens disent « Ah, Ouattara va nous donner le pouvoir, nouvelle génération. » Mais ils étaient contents. Ils étaient contents. Des gens m'ont combattu, pourquoi je m'oppose à cette nouvelle génération? Mais aujourd'hui, là, il est l'heure. On a mis Amadou Gon. Mais le choix d'Amadou Gon a été une guéguerre au sein du parti. Les décans sont partis. Beaucoup sont partis, les mabritoqueuses. Le choix s'est fait sur quelle base? Le président Ouattara ayant vu, il a fait son choix. Mais ce choix n'a pas été, comme on appelle ça, accepté par tout le monde. On a mis Amadou Gon sur le terrain. Amadou Gon a été sur le terrain. Eux-mêmes, là, ils sont venus faire rapport au président Ouattara pour dire que sur le terrain, là, Amadou Gon ne tient pas. Eux-mêmes, les cadres, là, ils sont allés faire rapport. Amadou Gon a fait à Benvourou quelques villes. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vu les mobilisations. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Moi, là, je suis bêté. Chez nous, là, on dit la vérité. Je n'ai pas besoin d'être malhonnête avec vous. Ça ne m'intéresse pas. Vous me donnez quoi? RHDP au pouvoir. Quand moi, j'étais dans l'opposition, j'avais mes affaires. Il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Amadou Gon, qui étaient des cadres, il y avait les Amontanou, qui étaient des cadres qui aimaient les Ivoiriens. Mais c'est une vérité. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous faites du chantage aux gens. Mais le pouvoir, là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Mais je vais revenir à des points tout à l'heure importants, parce que les gens parlent trop. Je vais leur donner une réponse aujourd'hui. Et comme vous me connaissez, je vais vous dire la vérité jusqu'au 27. C'est-à-dire le jour où on va finir l'élection présidentielle 2025. Là. Quand moi-même, je vais voir les résultats. Et puis j'ai vu que le président Ouattara a gagné là. Nos palabres, ça s'arrête. Mais tant que les résultats, je n'ai pas encore eu les résultats. C'est-à-dire que tant que je ne verrai pas les résultats, on ne va pas s'attendre. Vous pensez que moi, je suis comme ces gens-là. Ah non, Ouattara va gagner. Ouattara a gagné. Il a fait pont. Il a fait route. Oui, le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Il a fait du travail. Mais le parti, là, au sein de votre parti, il y a des guéguerres. Et ces guéguerres-là ont saboté le parti. Nombreux de vos cadres ne sont pas contents. Ils sont frustrés. Les gens sont lésés. Les gens sont humiliés. Mais c'est une vérité. Le comportement de certains militants dans notre parti, des communautaristes, ils pensent que nous, les assos, on va s'abaisser devant eux. Je ne vais pas m'abaisser devant vous. Désolé pour vous. J'ai mené le combat au RDR. 32% là, j'ai mis mes énergies. Je ne vais pas m'abaisser devant vous. Que vos cadres soient des ministres, soient importants, ça c'est vos problèmes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays. Et ce parti-là, c'est le parti, c'est le président Ouattara qui l'a créé. Avec tous les Ivoiriens. C'est pour lui que je resterai engagé et déterminé jusqu'au bout. Je vous dis ça la vérité. Quand j'ai dit ici que cette nouvelle génération n'était pas prête, vous avez fait quoi? Vous m'avez insulté. Donc à chaque fois quand je vais donner mes opinions, vous allez faire des panels, vous allez faire des trucs, vous allez m'insulter. Et ce sont mes frères du Nord. J'ai dit bien mes frères du Nord, mais je vais les diviser en deux catégories. Parce qu'il y a ceux qui sont les vrais Sénoufo, les vrais Koyaka, les vrais... Ceux-là n'insultent pas. Mais il y a un autre groupe. C'est ceux-là qui insultent trop. Ils sont remplis de haine. Ils insultent trop. Je ne vais pas m'abaisser devant vous. Je vous le jure. Sur la terre de mes ancêtres. Parce que ce pays, c'est le pays de mes ancêtres. Je ne laisserai personne me distraire. Des cadres peuvent jouer vos jeux. Moi, je ne joue pas votre jeu. Ça ne m'intéresse pas. La crise politique de l'AUS a ouvert mes yeux. Alassane Ouattara, c'est mon père. Je le connais, je connais chez lui. C'est l'un des présidents qui respecte. Le président, même les injustices au sein du RDR, il leur a dit qu'il n'est pas d'accord. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Cette guerre que quand vous faites contre moi, là, c'est depuis le RDR. Et ceux qui vous payent,
pour venir m'insulter là. Je les connais la plupart. Parce que quand vous finissez entre vous de faire vos réunions pour dire allez-y insulter Zasso, Zasso attend de faire ça là. Mais les informations me reviennent. Ce que vous ne savez pas, après entre vous-même, vous m'appelez. J'ai des cadres là, j'ai des audios, des cadres. Qui disent à Zasso, a dit ça, allez-y faire vidéo. Ils viennent à Paris, ils vous reçoivent. Ils vous donnent l'argent. D'autres, on leur donne 1000 euros, 500 euros. Et ils m'insultent. Après, je prends mon téléphone, je les appelle. Je dis, mais tu as fini ta vidéo, non? Il dit, oui, je dis, ok. Mais c'est tel cadre qui t'a appelé. Mais je suis dans le parti. Vous voulez pas, moi, je suis dedans. Je suis dedans. Si aujourd'hui, Gbagbo Laura est rentré en Côte d'Ivoire, mais c'est la faute de certains cadres du parti. Moi, Zasso, j'ai dit, j'ai fait ma proposition. Quand il y avait le procès, il faut d'abord garder Gbagbo à la Cour pénale internationale. On peut faire un appel. On le garde et on tourne la page de la nouvelle génération. C'est-à-dire, le président Ouattara positionne quelqu'un d'abord. Une fois qu'on finit de positionner quelqu'un, on peut faire rentrer Gbagbo après. Le président est tranquille, il se repose. Mais c'est ma tête, moi je réfléchis, mais vous, vous êtes bloqué. Non, on est du là, on est ceci, mais moi je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vous avez un langage, ils sont avec nous. Ils sont, moi je ne suis pas avec vous. Moi je suis dans un parti politique, je ne suis pas avec vous. Je suis dans un parti politique qui est financé par le contribuable ivoirien. Depuis les régimes politiques de Gbagbo Laurent, le RHDP était payé à 800 millions de francs CFA. Le FPI, 800 millions de francs CFA. Le parti de Choc, 300 millions de francs CFA. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour financer les partis politiques. Non, je ne vois personne qui va me distraire. Vous allez me distraire, vous allez me dire quoi? Vous ne pouvez rien me dire. C'est l'argent des caisses de l'État là qu'on prend pour financer vos partis. Combien de fois vos militants cotisent? Combien de fois vous cotisez? Vous cotisez à quelle hauteur? Venez me dire, les partis politiques n'ont qu'à me dire. Mais c'est dans les caisses de l'État qu'on prend pour financer vos partis politiques. Ici en Suisse, là, on ne finance pas les partis politiques. C'est les groupements politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale qu'on finance. On prend l'argent des caisses de l'État, on vous donne. Et c'est vous qui dites déjà, ils sont mendiants. Ils sont ceci. C'est l'argent de vos parents qu'on prend. C'est l'argent de vos parents? Non. C'est l'argent de notre pays. C'est l'argent de notre pays. Ah, Zasso est comme ça. Zasso est ceci. Mais voilà, moi-même là, je n'ai pas besoin de vous. Ce qui nous lie aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Vous avez fait tellement de vidéos. Vous avez payé tellement de personnes. Mais ils ont fait quoi? Soyez fatigués. Parce que moi, j'ai commencé il y a longtemps. Moi, il y a longtemps, je suis dedans. Il n'y a pas un cyberactiviste. Vous allez avoir. Vos cyberactivistes, je les vois ici. Il y a un petit qui s'appelle le Patriote aux États-Unis. Vos gens vous appelez ici comme non, ils sont bêtés, ils n'ont qu'à aller insulter Zasso, mais je les vois malmenés ici. Il y a un petit là qui aux États-Unis, il a allumé la foi de neuf sur les réseaux sociaux. Moi-même, je l'ai allumé. Il criait ici, je m'en en Suisse, mais moi, je suis en Suisse. Il n'a qu'à venir en Suisse maintenant, je suis là. Je suis en Suisse. On ne me fait pas du chantage, hein. Moi, je me connais. Personne ne peut me faire du chantage. Je ne suis pas celui-là qu'on a donné l'argent pour venir au RDR ou au RHDP. On ne m'a pas donné l'argent. Je suis sincère dans mon combat. Donc, il faut que ça soit dans vos oreilles. Que non, Zasso n'aime pas Ouattara. C'est ça que vous appelez, vous aimez le président Ouattara. Il a décaissé beaucoup d'argent. On dit immilitant. Tous vos cadres se sont réunis. On a 400 000 militants. Alors qu'on avait voulu 3 500 000. Nous sommes à 400 000 militants. C'est-à-dire les sympathisants, là, ils sont nombreux. Mais les sympathisants, là, c'est nous les Zasso. C'est les autres groupes ethniques, c'est les BT, c'est les Atiers, c'est les autres. Aucune communauté, ni ethnie, ne peut gagner une élection en Côte d'Ivoire au premier tour. Ce n'est pas possible. Ça pouvait être possible si vous aviez ouvert le parti à tout le monde. Mais vous avez fermé le parti. Vous avez fermé le parti et vous avez fermé le parti comme une affaire de famille. Et c'est une vérité. Moi, de toute façon, je ne peux rien vous cacher. J'ai combattu Gbagbo. Mais Gbagbo était BT quand je le combattais. Quand je combattais Gbagbo, il était BT. Il était président de la République. Il est de même région que moi, c'est mon frère. Moi, je ne suis pas au-dessus de vos ethnies. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis neutre. Ce n'est pas affaire de dire je suis dans l'église et puis le pasteur va dire ça, les saints, et puis je crois à ça. Ou imam va dire ça, et puis je crois à ça. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je fais purement la politique. Non, quand tu t'attends à moi ou pas, mais c'est ton problème.
Vos militants là, chaque militant là, vous êtes venus un à un. Moi, on est venu un à un. On n'a pas tapé tam tam et puis nous tous on a couru pour venir à HDP. On est venu un à un. Ahmed Bakayoko. Souvent, il y a des choses, je n'ai pas l'envie de vous dire. Vous allez me pousser à aller au bout des choses. C'est-à-dire, vous allez me pousser à aller au bout des choses. Et vous-même là, ça va vous faire trop mal. Vous n'avez aucun respect. Vous insultez. Et ce sont nos frères Djoula qui sont les plus haineux du système. C'est eux qui insultent trop. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Et c'est vous qui aimez toujours insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre problème? La Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, c'est mon pays, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de donner mes opinions. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, on est dans un parti politique. Que Zassou insulte nos cadres, Zassou attaque nos cadres. Les cadres là, je n'ai pas de problème avec eux, ce sont mes frères, ce sont mes aînés. Il n'y a pas un cadre en Côte d'Ivoire chez qui je ne vais pas. Et la plupart, ce que je dis là, c'est que vous pensez que je parle comme ça pour rien? Vous pensez que je parle pour rien? Mais changez vos comportements. Quand on prend aujourd'hui l'administration de la Côte d'Ivoire, qui contrôle l'administration? Qui contrôle l'administration? Ce sont nos frères du Nord. Les cadres les plus puissants du système, ce sont nos frères du Nord. Ce sont des injustices. Il faut les corriger. Vous voulez que j'aille parler de ça où? Vous voulez, c'est moi qui vais courir derrière vous à chaque fois. Je suis fatigué, je ne peux plus courir derrière vous. Je fais des efforts pour vous parler. Quand même quand on arrive, quand je suis à Abidjan, pour m'asseoir avec vous, pour discuter, c'est un problème. Vous vous moquez des gens. Et souvent, vous le dites dans vos vidéos, ils sont des mendiants, ils sont rien. Ils n'ont qu'à partir. Vous, là, vous pouvez faire gagner le président Ouattara. Je vous mets au défi. Vous pouvez faire gagner le président Ouattara. Combien d'entre vous qui peuvent défendre aujourd'hui le président? Combien? Qui peut prendre le micro pour défendre le président? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Moi là, c'est pas Bush. C'est pas Bush. C'est pas Bush. Le président Ouattara, c'est un père. Moi, c'est quelqu'un, je vous dis la vérité, que j'aime. Je ne vais pas me laisser distraire par qui que ce soit. Vos cadres les ont divisés, le parti. Ils nous ont divisés. Il y a trop d'injustices, il y a trop d'éclats. Les financements aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis 14 ans, quels sont ceux qui ont plus de financement? Comme vous dites que les gens aiment l'argent, ils aiment l'argent. Mais vous là, tous les financements, c'est vous, on donne. Les gros financements en Côte d'Ivoire, c'est dans le Nord qu'on a plus investi aujourd'hui. Allez-y chez moi à Gagnon. Allez-y chez moi à Gagnon. Moi-même, je vais au Nord. Allez-y voir chez moi à Gagnon. Il y a quoi? Il n'y a rien dans les banques. Les jeunesses de Gagnon n'ont pas de financement. Mais aujourd'hui, tous les financements demandés à Touré Mamadou. Les financements jeunes sont plus allés au Nord. Les jeunes du Nord sont les plus heureux dans notre système aujourd'hui. Ils ont tout. Ils ont eu trop de financement. Mais on n'est pas des moutons, on n'est pas venu vous suivre. On n'est pas venu vous suivre, c'est notre pays. On a le droit aussi qu'on prenne en compte nos préoccupations. On ne peut pas prendre seulement que vos préoccupations en compte vos préoccupations et vous allez nous prendre pour des imbéciles, ce n'est pas la peine. J'ai combattu l'injustice contre Babo. J'ai combattu l'ivoirité. J'ai combattu les discriminations du régime Babo. Ce n'est pas sous mon régime, je vais me taire. Dans le cas contraire, vous vous asseyez et on trouve des solutions. Parce qu'on a 14 mois des élections. Blaise Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, Babo sont rentrés en Côte d'Ivoire. En si peu de temps, ils ont réussi à se réorganiser. Chez vous, la plupart de tous les leaders, vous les avez détruits. Aujourd'hui, je dis et j'assume, tous les leaders du parti RHDP, même des groupes, autres groupes ethniques qui peuvent aider Ouattara sont détruits. Vous les avez tous mis à terre. Ceux qui sont puissants, qui ont les moyens, sont ceux qui ne peuvent rien faire pour le parti. C'est-à-dire, vous investissez dans des gens qui ne peuvent rien apporter au parti. Mais j'ai vu des preuves. J'ai vu des preuves. On arrêtait les soldats ivoiriens. On arrêtait les soldats ivoiriens. Une minute. On a arrêté les soldats ivoiriens. Pendant 6 mois, on a arrêté nos soldats. J'ai fait 6 mois sur les réseaux sociaux. J'ai passé mon temps à Abidjan, à courir partout. Quand il y a les élections en Côte d'Ivoire, je suis sur tous les fronts. Je suis même plus au Nord. Je suis avec mes frères du Nord. Parce qu'au Nord, il y a trop de problèmes.
Et je vais dire à mes frères du Nord, parce que c'est eux qui m'insultent trop. Ce que vous faites là, c'est très dangereux. Et je vous dis aujourd'hui, beaucoup sont déçus à cause de vous. Je vous dis, à cause de vos comportements, beaucoup sont déçus. Vous pensez que quand vous m'insultez, mais il y a ma famille, j'ai tout le monde qui regarde. Tous ceux qui sont de l'opposition, vous pensez que je n'ai pas de qualité. Moi, j'ai mes qualités, c'est pour ça que je ne m'abaisse pas devant quelqu'un. Je suis arrivé au RHD, au RDR. J'ai changé de cours de l'histoire. On n'a pas n'importe qui porte-parole chargé de la jeunesse. Même ma nomination, ça a été des débats. Le Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Montanou, le président Ouattara dit Zasso. C'est mon travail. Et aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs défenseurs du président Alassane Ouattara. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Parce que moi, c'est un père pour moi. C'est un père pour moi. Aujourd'hui, allez-y dans les ministères. Tous les marchands qu'on donne, mais c'est vous les fils du nom. C'est vous qui avez tout. Dites-nous autres, faites les audits de tous ces financements. On va voir. Je vous mets au défi, faites les audits. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Tous les gros financements sont mis de nos frères du Nord. C'est eux qui gagnent tout aujourd'hui. Ce n'est pas normal. C'est des choses, ce n'est pas juste. Je suis allé au Nord, j'ai vu des routes. Gagnon est la troisième grande ville de Côte d'Ivoire. Gagnon est la troisième grande ville. Mais Gagnon a quelle route? Il y a quoi à Gagnon? Mais je suis allé au Nord, j'ai vu des choses. Il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien chez moi. Mais ça fait combien d'années qu'on mène le combat du RHDP? Même les routes qu'on fait en Côte d'Ivoire. Mais on sait comment ça se fait. Ici en Suisse, les politiques de développement se font au plan national. C'est un programme. Mais chez nous ici, on met ici. Quand on n'est pas d'accord avec toi, on ne met pas chez toi. On dit non, les gens n'aiment pas Goudron. Et je vois des gens de façon sourde et puis ils rient. Non, là, ils disent qu'ils n'aiment pas Goudron. Mais moi, je suis avec le président Ouattara. C'est moi qui ai dit je n'aime pas Goudron. Je ne peux pas être avec le président Ouattara. Et puis vous vous moquez. Quel est ce parti où les gens se moquent de nous? Mais ils se moquent de nous. À chaque fois, ils se moquent. Mais je vais vous dire que les gens qui sont aujourd'hui déçus, là, ils sont nombreux. Même vos cadres, là, nombreux sont déçus. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Vous connaissez le travail que je fais au sein du parti? Je n'ai pas besoin de venir sur la place publique pour vous parler. Mais si je viens sur la place publique, c'est pour dire que les gens refusent de changer. Mais le pouvoir n'est pas acquis. Moi, j'ai fait l'opposition. Babou a perdu le pouvoir, Bédi a perdu le pouvoir, Bédi est parti. Non, moi, Zasso, dans ma vie, le pouvoir, moi, je suis un homme, je suis libre. Je sais quel jour je peux aller dans l'opposition. Parce que j'ai fait l'opposition. C'est quand tu n'as pas fait l'opposition que tu ne prends pas conscience. Moi, j'ai fait l'opposition. J'ai fait l'opposition. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, avant de partir, ils nous ont laissé un père, qui est le président Alassane Ouattara, qui a engagé un grand combat, développé, stabilisé le pays. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il dort bien? Le président ne dort même pas bien. Souvent, il se met sur la place publique, aider les jeunes, faites ceci, faites cela. Ils ne le font pas. Le Nord aujourd'hui est plus divisé que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Parce que tellement qu'il y a trop de cadres, il y a trop d'hommes riches, tous les financements, marchés et autres, c'est entre eux. Mais je dois le dire pour que je sois libéré. Moi, je ne veux pas mourir avec le stress, avec des mensonges. Je suis dans un combat, je prends plus d'énergie. Et puis, vous êtes là, non, c'est Zassin Venaka aller chez Tiam. Zassin Venaka aller chez Gbagbo. Regardez, vous tribalisez le truc. Mais il y a des bêtises chez Gbagbo. Je ne suis pas de ceux qui participent à déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Ceux qui déstabilisent le président Ouattara sont des fils du Nord, aujourd'hui. Parce que vous avez fait tellement de vidéos que j'ai enregistrées. Vous m'insultez. Vous m'agressez comme si c'est vous qui me nourrissez. Quand je vais gérer mes problèmes, c'est vous que je vais voir. C'est vous qui payez mes factures. Vous savez combien de fois, combien moi je dépense par mois. Mais attendez, soyez un peu raisonnable. Vous travaillez, votre travail là, ça peut faire quoi? Quand on travaille, vous faites quoi votre travail? Votre travail là, ça peut s'occuper de moi, ça peut me gérer. C'est pas possible. Combien vous dépensez par mois? Je connais vos salaires la plupart. Je connais vos salaires, je connais vos difficultés. Non, mais soyez quand même sérieux. Chers amis, partagez ça, envoyez ça à tout le monde. Partagez ça. Et puis, ils n'ont pas honte. Ils ont fait. Et comment vous pouvez être dans un parti? Mais au RD, on s'est battu pour ne plus que les Ivoiriens aient fait. On s'est battu pour ne plus qu'on ait fait. Comment on est au pouvoir et vous dites que les gens ont fait?
Et vous n'avez même pas honte. Ça veut dire que vous manquez d'éducation politique. Vous n'avez aucune éducation politique. On est venu pour que les Ivoiriens mangent. On est venu pour que les Ivoiriens aient des financements. On est venu pour que les villes soient développées. On est venu parce qu'on est venu, on est venu, on est venu, on est venu. C'est pour ça qu'on est au pouvoir. On est venu pour changer les choses. On n'est pas venu pour insulter et se moquer des gens. Vous vous moquez trop. Vous insultez trop. Et ce sont nos frères du là. Ils insultent trop. Je vais sur vos pages, je regarde. Vous avez quel problème? C'est quoi votre problème? Vous aimez le président Ouattara que Zasso? J'étais là et puis Assimi Goïta a arrêté nos soldats pendant 6 mois. Combien d'entre vous ont pris le risque? Quand Assimi Goïta a arrêté nos soldats pendant 6 mois, là, combien d'entre vous ont pris le risque? Non, je vous pose une question. Venez me dire aujourd'hui combien d'entre vous ont pris le risque? Vous êtes restés muets. Ibrahim Traoré, ils ont, les Burkinabés nous insultent. Les Maliens nous insultent. Tout le monde insulte le président Ouattara. Vous êtes muets. Mais quand Zasso va parler tout de suite, vous venez en groupe. Vous venez en groupe pour multiplier les vidéos. Mais allez-y parler aux pro-soro. Les pro-soro insultent matin, midi, soir, la guêpe. La guêpe, là, elle insulte. Chaque jour, elle dit du n'importe quoi. Même tous les secrets de l'État. La guêpe met ça sur la toile. John Soro, qui est votre propre frère, a donné toutes les informations de l'État à la guêpe. À Soulé, ou à Mira Blédé, ils exposent ça chaque jour. Ils exposent ça chaque jour. Mais organisez-vous, puis combattez-les si vous aimez vraiment le président Ouattara. Si vous aimez vraiment le président Ouattara, mais combattez-les. Vous n'arrivez même pas. Vous n'arrivez même pas à les combattre. Les cyberactivistes pro-Soro sont plus puissants que vous. Mais ils ont plus peur de moi. Allez-y sur les pages. Ils attaquent là, ces assauts, ils attaquent. Quand Soulé est trop foncé là, c'est sur Zasso. Quand la guêpe là, c'est Zasso. Mais vous ne les occupez pas de vous. Et ils nous attaquent. Parce que nous là, on peut dire ce qu'on passe à Soro. Mais la plupart là, vous ne pouvez pas. Soro insulte le président Ouattara, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parce que pour vous, c'est votre frère de région. Il est de votre région. Moi, je connais des gens qui m'appellent ici pour me dire, Zasso, Soro, c'est notre frère. Tu n'aimes pas la paix. Soro a appelé le président Ouattara, tu t'opposes. Il faut arrêter ça. Mais je ris, je dis, mais c'est triste. Parce que beaucoup pensent qu'il faut amnistier Soro. Je ne peux pas accepter l'amnistie de Soro parce que Babo l'a déjà amnistié. Babo l'a déjà amnistié. On ne peut pas passer tout notre temps à amnistier Soro. Vous étiez là quand Soro était en France et que Soro a lancé, a demandé à l'armée de se soulever contre le président Ouattara. C'est votre frère. Soro organisait des crush parties ici, à Paris. Mais c'est nous les assauts. On mène le combat. Quand ça commence à aller, ah, ils sont Boussoumani. Ils sont Boussoumani. Ils sont Boussoumani. Mais toi, tu es quitté où? Puis tu vas m'appeler Boussoumani. Même un Sénoufo ne peut pas m'appeler Boussoumani. Un Koyaka ne peut pas m'appeler Boussoumani. Un Maoka ne peut pas m'appeler. Les dignes fils de ce pays ne peuvent jamais m'appeler Boussoumani. Mais c'est vous là qui appelez toujours les gens Boussoumani. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Non, ils s'entraident. Quand vous étiez dans votre rébellion, là, vous étiez un mois. Vous étiez un mois. Vous étiez un mois. Quand Gbagbo était au pouvoir, Ahmed Bakayoko, là, il prenait les choses et puis nous donnait. Parce que nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on arrive à s'organiser. C'est cette organisation qui a fait qu'on a donné 32% au président Ouattara. Parce que Ahmed nous aidait à avoir les moyens pour travailler sur le terrain. Les moyens qu'on demande là, c'est pour travailler sur le terrain. On n'a pas dit on va nourrir nos familles. On n'a pas dit on va nourrir nos familles parce que nos familles se suffisent. Ce que nous demandons comme moyen, c'est pour travailler sur le terrain politique. Aujourd'hui, regardez dans vos régions. Je vais prendre quelques personnes pour ne pas que le live se coupe. Je vais prendre... Erico, tu as envoyé ton truc là. Je vais prendre Ricky d'abord. Ouais, Ricky, une minute, hein, une minute. Je vais finir d'abord. Moi, je suis allé faire campagne dans le Nord. Même Tchanglo Dozo m'a trouvé dans le Nord, avec Bruno Nabame. J'ai parcouru tous les villages du Nord. J'ai parcouru tous les villages parce que chez moi, au Nord, il y avait une urgence. Il fallait aider Bruno Nabame.
Mais nous, on ne peut pas être sincère avec vous et vous allez nous toujours nous traiter pour des imbéciles. D'où venez-vous? Vous-même qui êtes subitement ces gens puissants qui menacent les gens. Vous êtes quitté où? Moi, j'ai été au RDR. Ceux qui vous payent là, ils ont mené quel combat de Ouattara? Ceux qui vous payent aujourd'hui. Ceux qui vous financent aujourd'hui là, ils ont payé quel combat de Ouattara? On se lève ici, on dit non, Zasson ne veut pas que le président Ouattara soit candidat. Moi, je suis qui pour dire au président Ouattara de ne pas être candidat? Je suis qui? Je suis qui pour dire au président Ouattara de ne pas être candidat? Pourquoi moi seul je vous fais peur? Moi seul je vous fais peur. Pourquoi? Parce que je suis honnête. Vous, vous cachez des choses. Aujourd'hui, dans le Nord, John Soro a fait une percée dans le Nord avec ses hommes. Tous ceux qui ont défié aujourd'hui le président Ouattara, pendant les régionales, les dissidents du parti sont des fils du Nord. Les dissidents du parti sont les fils du Nord. Ceux qui veulent détruire aujourd'hui le président Ouattara sont des fils du Nord. Ça ne vous fait pas mal. Mais quand ça essaie de vous interpeller, au lieu d'ouvrir les yeux, vous dégainez contre Zasso. C'est vous qui allez me dire ce que je vais dire. Vous avez vos pages Facebook. Dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je connais des gens que des ministres appellent pour venir m'insulter. Mais vos ministres les ont menés quel combat du RDR? La plupart de vos ministres, je les connais. Ils ont mené quel combat? Ils sont aujourd'hui là, il n'y a pas candidat pour remplacer Ouattara. S'ils étaient garçons là, ils allaient remplacer le président Ouattara, puis le vieux allait se reposer. C'est devant vous tous, le président a dit, je vais me reposer, je vais taire ma famille. Il a dit devant vous. Vous étiez là, vous avez applaudi. Vous m'en voulez pourquoi? Quand il disait ça là, vous étiez là. Vous m'en voulez pourquoi? Ahmed Bakayoko, Amadou Ko est décédé ici. On a voulu choisir Ahmed Bakayoko. Mais vous êtes opposé. Vous vous êtes carrément opposé, on ne veut pas Ahmed. Mais moi je le dis, ça vous fait mal pourquoi? Mais je vais le dire. Ahmed Bakayoko, c'est mon grand frère. C'est grâce à Ahmed et à Montano que nous, les assos, on a réussi à mener le combat du président Ouattara. Grâce au Cissé Bakongo. Ce sont des aînés, les Sangafoa. C'est grâce à eux qu'on a mené le combat du président Ouattara face au régime Gbagbo. Qui pouvait oser sur le régime Gbagbo? Les Yayoro sont où aujourd'hui? Vous parlez des assos, mais Yayoro, il est où? Yayoro a mené toute une lutte. Les Dieu Tiakoro sont où? Vous êtes allé fabriquer une nouvelle génération d'hommes. Sur le terrain, qui ne font même pas le travail malgré tous les milliards qu'on leur donne. Nous, on n'avait pas de milliards au RDR. On avait un peu, mais Figayo là, on remplit depuis, on boit Figayo depuis Cipores. Depuis Cipores là, nous, on boit Figayo jusqu'à Kenya. Vous n'arrivez même pas avec tous les moyens qu'on vous donne aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, sous le RHDP, mais on devait quand même avoir des forces mobilisatrices. Mais on n'a personne. Et vous voulez qu'on soit dans l'hypocrisie? On n'a qu'à mentir. Quand il dit ça sur la place publique, l'opposition va... Bon, vous ne voulez pas la place publique, mais trouvez un cadre, on se parle. Ça fait 12 ans que je suis revenu dans le parti. Quel cadre vous avez créé pour qu'on parle? Mais vous, ça veut dire que vous nous repoussez. Pour vous, nous, on est Boussoumani. Nous, on est ceci. Vous nous insultez. Je connais des gens qui... Ouattara va rien te donner. Moi, je ne cherche pas l'argent du président Ouattara. Ce dont on mène là, c'est l'argent du contribuable ivoirien, c'est l'argent de nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on était au RDR, là, l'argent, quand on était ministre dans le gouvernement de Gbagbo, là, c'est l'argent là qu'on prenait pour faire le parti, pour faire le combat. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Et vous insultez, vous menacez. Aujourd'hui, l'opposition est payée en Côte d'Ivoire. Bédié touche pratiquement, le PDC de Bédié touche pratiquement 1 milliard. Vous pensez que vous seul, vous pouvez faire gagner le président Ouattara? Vous ne pouvez pas. Parce que vos arguments même, ça ne tient pas. Vos arguments ne tiennent pas. Vos arguments ne tiennent pas. Quand on parle de rébellionnettes, vous êtes tous coincés. Non. Comment vous pouvez faire des panels pour m'insulter? Mais vous avez mon numéro, appelez-moi. Entre vous, vous vous appelez, vous formez des groupes et puis vous m'attaquez. Chez moi, à Gagnon, il n'y a rien. La jeunesse de Gagnon n'a rien eu. Aucun financement, ils n'ont rien eu. De Gagnon jusqu'à ici, on n'a rien eu. Tous les gros financements ont dit non à cause du terrorisme, on a mis dans le Nord. Beaucoup de leaders de choses du Nord ont eu beaucoup d'argent. Ils sont devenus des hommes d'affaires dans le parti. Et ils apportent quoi au parti? Ils apportent quoi? Mais vous êtes égoïste, vous êtes gourmand. Tout doit être vous et pour vous. Tout doit être pour vous et pour vous. Pourquoi? Vous nous dénigrez, vous nous insultez, mais nous sommes des leaders.
Tous les pro-Soros qui ont défié le président Ouattara sont aujourd'hui nommés, beaucoup sont à la présidence. Et tous voulaient que le président Ouattara tombe. C'est sous vos yeux. L'enfant Yaya a été reçu par le président Ouattara. Les Kafana, les Siseba Congo et autres ont reçu Alpha Yaya. Tous les Soros Kanyidi, ils ont été reçus par le président Ouattara, alors qu'eux-mêmes, ils ont combattu le président Ouattara. Mais pourquoi, quand c'est moi, Zasso, vous avez une haine contre ma personne? Je vous le jure, je ne vais plus reculer devant vous. Je vous le jure, je ne vais plus reculer devant vous, parce que votre haine est trop. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas seule. C'est notre pays à nous tous. C'est mon pays aussi. Personne ne me laissera distraire. J'ai fait le RDR. La plupart d'entre vous qui parlez, je ne vous ai pas vu dans le combat du RDR. Aujourd'hui, ceux qui gagnent dans notre combat, c'est les fils du Nord. C'est ceux-là qui aiment insulter les gens. Mais ce n'est pas normal. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Allez-y vous apprendre à Soro. Allez-y attaquer Soro. L'amiral blindé, les sous les sols, allez-y les attaquer. Moi, je connais beaucoup de vos ministres. Malgré les injures, la haine des pro-Soros, ils reçoivent les pro-Soros à Paris. Quand Mira Blindé dit que des cadres RDR me reçoivent, mais c'est la vérité. Des cadres RDR reçoivent l'amiral Blindé. Mais attends, nous ne sommes, moi je ne mène pas de combat de communauté. Et je ne serai pas dedans. Le président Ouattara a été victime de beaucoup d'injustices. Je mène le combat pour que le président Ouattara gagne les élections. Quand je vous dis que Gbagbo est revenu, mais c'est la vérité, Gbagbo est revenu. Il mobilise que beaucoup de vos cadres, ce n'est pas normal. Vous avez trop de milliardaires, vous avez tout. Comment se fait que vous n'arrivez pas? Comment se fait que vous n'arrivez pas? J'ai vu le meeting de Korogo. Mais si je faisais un commentaire, vous allez courir encore pour venir insulter. J'ai vu le meeting de Korogo. On était au RDR. Aujourd'hui, on est au pouvoir. C'est le jour et la nuit dans les mobilisations. On était au pouvoir, on était dans l'opposition. Aujourd'hui, on est au pouvoir avec tous les moyens. Mais les mobilisations, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le seul qui mobilisait, c'était Ahmed Bakayoko. Amadou Gon seul verrouillait le Nord. Au Nord, Amadou Gon verrouillait le Nord. Lui seul. Mais aujourd'hui, il est parti là. Il y a qui? Les gens négocient même pour aller chercher Soro. Les gens courent même pour aller s'attendre à Soro. C'est dangereux. C'est dangereux. Et puis Soro là, il ne fera jamais votre affaire. Soro n'aime pas le président Ouattara, il ne va jamais l'aimer. Tout le combat de Soro, c'est devenu président de la République. Et puis s'il devient président de la République, il va aller vers Gbagbo. C'est moi qui vous dis ça. C'est ça son combat. Lui veut faire coup d'état pour aller vers Gbagbo. Nous, tu nous battons pour la dignité du parti. Pour que demain, après le président Ouattara, le parti soit fort, c'est nous que vous combattez. Mais si moi je veux me vendre, je veux faire business pour avoir l'argent. Je peux faire comme votre Johnny Pacheco, aller appeler des gens pour dire j'ai des problèmes. Je vais aller m'attendre avec toi et puis ils vont me donner l'argent. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux aller vers des gens de l'opposition si j'ai trop faim. Parce que vous réfléchissez petit. J'ai tellement de cadres qui sont les bios là, ce sont mes grands frères, c'est des milliardaires. Tiam là, c'est un milliardaire, c'est des gens que je connais. Je peux aller vers eux pour dire je veux l'argent. Vous m'avez une fois vu aller vers un cadre de l'opposition pour dire j'ai faim. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis dans un combat politique. J'ai confiance au président Alassane Ouattara. La mémoire d'Amadou Gon et d'Ahmed, je reste concentré. Mais celui qui va me provoquer, il va m'attendre. Celui qui fera vidéo pour me, je vais lui répondre automatiquement. Je ne vais pas jouer à quelqu'un. Parce que je ne vous ai pas vu au RDR. Je ne vous connais pas. C'est sur le pouvoir Ouattara que moi je vous connais. Normalement, je n'ai pas affaire à vous. Et à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de débat avec quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, là, quand tu dois ton cyberactivisme, ça c'est vos problèmes. Ça ne m'intéresse pas. Mon combat aujourd'hui, comment m'organiser pour aller à Abidjan? Retourner pour préparer 2025. Pour ne pas que le président Ouattara ait honte. Aujourd'hui, là, on a quand même les pro-Gbagbo là, on a regardé le micro. Mais vous ne pouvez pas. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Soyons quand même sérieux là. Soyons sérieux. Vous pensez, moi je suis dans le parti. Si les gens ne veulent pas parler, mais ça c'est leur choix. Moi j'ai parlé au RDR, c'est pas ici que je viens de terre. J'ai parlé au RDR. Moi j'ai fait le RDR. Dans les moments difficiles, là, moi j'étais là. C'est pas sur le pouvoir là que vous allez faire votre groupe. Celui qui commence groupe contre moi, ce que je vais dire là, ça c'est petit.
C'est là vous-même, vous allez vous dire, on va arrêter de suivre Zasso. Parce que vous, Zasso, voilà, ça ne nous arrange plus. Je vous le jure. C'est devant moi, Ahmed Bakayoko est tombé ici. Vous avez formé bloc contre lui. Vous l'avez combattu. Mais c'était aussi un fils du nom, non? Mais vous avez vos réseaux. Nous, on n'est pas dans votre réseau. Ça ne nous intéresse pas, votre réseau. Parce que votre réseau, là, il n'y a personne dedans pour remplacer le président Ouattara dignement. C'est un réseau qui est là demain et puis le président Ouattara sera votre parapluie. C'est-à-dire qu'il va se mettre là tout aujourd'hui quand il n'a qu'à être candidat. C'est parce que vous savez que vous avez tout gâté. Vous avez tout gâté. C'est pour ça que vous voulez qu'il soit candidat. Parce que vous avez tout gâté. Vous avez tout gâté. S'il n'est pas candidat là, vous savez qu'on tombe. Parce qu'il n'y a personne. Tous ceux qui sont, même les cadres du PDC-IRDA, ils sont tous stressés puis ils sont dedans. Nombreux sont stressés puis ils sont dans le parti. Vous ne respectez pas les gens. C'est-à-dire pour vous, le président Ouattara, c'est votre propriété. Il vous appartient. Les autres n'ont rien à dire. C'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes puissant. Quand on vous interpelle, vous n'écoutez pas. Vous avez quel problème? Vous seul, vous pouvez faire gagner Ouattara, puis vous ne cherchez pas à être candidat. Il dit j'ai demi-douzaine. Il dit j'ai demi-douzaine. Mais il n'y a personne qui peut oser. Même Adama Bitogo, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais on a trop de cadres dans le parti. Mais il y a des choses qui se passent, ne me provoquez pas. Il faut arrêter maintenant ces attaques, parce que ça sera maintenant du tic au tac. Je me suis laissé faire. Je n'ai pas besoin de réconciliation avec quelqu'un. On est dans un parti, on est venu un à un. On n'est pas venu en délégation. On est venu un à un dans le parti. Le jour où le président Ouattara dit, j'ai fini ma mission. C'est là que vous allez me connaître. Vous pensez que moi, je vais vous suivre dans ça? Vous et moi, il y a quelle alliance? Moi, je suis au service de mon pays. J'ai combattu Guy Robert. J'ai combattu Bédier. J'ai combattu Guy Robert. J'ai combattu Babou. Je ne serai pas votre mouton. Je ne suis pas sur la liste de vos moutons. Moi, je suis un militant. Je suis ce que je suis. Et on ne peut pas m'enlever ça. Et je refuse qu'on m'appelle mouton. Parce que quand on dit les gens sont moutons, ils ne se contrôlent pas. Ils ne se contrôlent pas. Ils ne savent même pas où on va. La sous-région, là, elle est défavorable à nous. Aujourd'hui, là, nombreux. Moi, je connais des gens qui sont des Burkinabés, Maliens, des choses. Ils pensent que nous, Ouattara n'aime pas leur pays. Mais ils sont encore du voyage, ils sont dans nos partis politiques. Et moi, c'est des débats. Non, Zasso, on est erreur. C'est vrai. Moi-même, je suis plus RHDP. Moi, je me concentre sur mon pays. J'ai dit, avant toi, tu étais Burkinabé. Avant toi, tu étais Malien. Mais quand on a arrêté nos soldats, j'ai vu des vérités. C'est pas tout ce qui veulent. Mais attendez, j'ai vu trop de choses quand on a arrêté nos soldats. Je suis allé voir des gens, j'ai dit, mobilisons-nous. Pour répondre à ce que Goïta, ils ne veulent pas. Ils disent, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui m'ont dit que Burkina, c'est leur pays. Mali, c'est leur pays. La Guinée, c'est leur pays. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. On a tracé les frontières. Si tu es Ivoirien, alors tu défends la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas Ivoirien, tu vas chez toi. Ne m'emmerdez pas. Moi, je défends la Côte d'Ivoire parce que je suis un Ivoirien. Je défends la Côte d'Ivoire parce que je suis un Ivoirien. C'est mon pays. Je suis vraiment désolé, mais c'est ma position parce que j'attends trop vos haines, vos injures, vos haines, vos injures sont trop. Vos haines, vos injures sont trop. C'est vous qui allez me dire de quitter le RHDP, c'est vous qui m'avez amené au RHDP. Mais vous là, vous allez partir. C'est nous, on va rester. Parce que vous allez partir un à un. Vous tous, je dis, prions Dieu pour que le président Ouattara, Dieu lui donne la force. L'histoire retiendra que Zasso vous a parlé. L'histoire retiendra que Zasso vous a parlé, Zasso vous a interpellé. Les vidéos là, on les garde chaque jour. Parce que demain, personne n'ouvrira la bouche devant moi. Comment on peut, le président Ouattara peut investir de l'argent? Il dit, il veut 3 500. On est actuellement à 400 000, ça ne vous dit rien. 400 000 militants. Les sympathisants là, c'est toutes les ethnies, il faut les convaincre. Moi quand Zasso je parle là, c'est des millions de personnes. C'est des millions de personnes qui m'écoutent. J'ai mes statistiques. Je sais combien de personnes qui m'appellent pour dire Zasso, courage. On est dans un parti, on est stressé. On est humilié.
On est insulté. Ce sont des railleries. Ce sont des moqueries. Mais on le fait pour le moment pour le président Ouattara. Je ne vais pas trahir la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Je ne vais pas trahir la mémoire d'Amadou Gon. Les deux là, ils me tiennent trop à cœur. Amantanou est parti. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui là. Thiam est en train de prendre vos leaders d'opinion. Moi, je vous informe aujourd'hui. Thiam est en train de prendre vos leaders d'opinion. C'est lui qui sera parlé en 2025 là. C'est lui qui va gagner les élections. 2025 là, il faut savoir parler. Il faut savoir convaincre. Mais si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas convaincre, ça sera catastrophique. Je vous dis la vérité maintenant. Soit vous vous ressaisissez ou vous persistez dans ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous persistez, c'est votre problème. Mais je demande aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, un minimum de respect. Parce que je n'ai pas encore parlé. Hein. Un minimum de respect. Et j'impose ce respect. Celui qui va m'attaquer, ce qui va sortir de ma bouche, sincèrement, ça va peut-être plus profiter à votre opposition. Comme c'est ça qui vous fait peur, ça va peut-être plus profiter à l'opposition. J'ai déjà trop fait. C'est trop de risques que je prends pour ce système. Comment aller payer des gens? Mais si vous avez affaire à moi, mais vous m'appelez. Vous n'avez pas mon numéro. Vous avez mon numéro. Vous faites des panels. Je dors. On fait panel depuis quelle heure? Jusqu'à matin, je suis assis. Mais si je vous fais peur là, mais venez, on s'assoit, on discute. Ah, mais oui. Vous faites des panels sur moi, mais ça veut dire que je suis puissant, je suis fort, je vous dérange. Moi, j'ai été formé au RDR, j'ai été formé au RDR. J'ai été formé par Madou Gon, nous on ne recule pas. Moi, j'ai été formé par Madou Gon, nous on ne recule pas. J'ai été formé par Maître Bakayoko, par Sissé Bakongo, la Montano, la Dama Bitogo, nous on ne recule pas. Ils étaient assis là. Non, on n'a pas de cadre. Mais Bitogo, il peut battre Thiam. On a trop de cadres. La Djoumani, les Tissé, Bakongo, les quoi. Vous ne pouvez pas battre Thiam. Ces cadres-là peuvent battre Thiam. Mais c'est un clan qui dit. Non, il faut que le président Ouattara soit candidat. C'est un clan. C'est un clan. Je sais, j'ai tout attendu. J'ai tout attendu. C'est vous qui êtes stressé, c'est vous qui avez peur. Sinon, moi, Zasso, là. Quel que soit le candidat qu'on va choisir, on peut battre Thiam. On peut battre Thiam. Mais c'est vous là. C'est vous là, vous là. C'est vous qui avez peur. Parce que vous avez divisé le parti. Vous avez divisé les Ivoiriens. Tout ce que vous faites là, c'est sectaire. C'est du tribalisme. C'est du communautarisme. Vous n'aimez pas les autres groupes ethniques. Vous nous détestez. Vous avez une haine pour nous. C'est une vérité. Vous avez une haine, même dans la distribution des richesses. Quelle est notre place? La richesse là, c'est national. Quelle est notre place? On n'est nulle part. On n'est nulle part. C'est vous, 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 rien que vous. Alors que vous ne pouvez rien apporter au président Ouattara. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas. Je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est ma vérité. Alors, Erico, comme je dois foncer quelque part, je vais prendre 3-4 personnes. Mais je commence d'abord par... Gouvernement, on enlève lui là, on place lui. Et puis les nominations que vous faites. Mais tenez compte des réalités. Je l'ai dit aujourd'hui, le nom que je connais aujourd'hui là. Le nom sans Maître Bakayoko, sans Madou Gon, moi ça ne me rassure pas. Le nom sans Maître Bakayoko, sans Madou Gon, ça ne me rassure pas. Je n'ai pas menti. Pour que le président Ouattara gagne, il faut ouvrir son combat politique à tout le monde. Le nouveau gouvernement qu'il doit former, il faut qu'il tienne compte des régions, de toutes les régions du Côte d'Ivoire. Mais si c'est vous seul là, ça sera catastrophique. Parce que dans le Nord, les dissidents de Prosoro ont fait une percée. S'il te plaît, pardon. On fait une percée. Les dissidents de Prosoro. Les Prosoro aujourd'hui là, ont fait une percée dans votre zone. Thiam allait s'asseoir là-bas, les côtes Katina sont là-bas. Mais ouvrez le combat politique. Ouvrez le combat politique. C'est ouvrez le combat politique, mais tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Vous seul ou rien. Et quand on parle, oui, c'est comme ça, ils sont ceci. Mais nous, on n'est pas étrangers, nous sommes des Ivoiriens. Moi, je ne suis pas un étranger, je suis Ivoirien.
Ibrahim Traoré insulte la Côte d'Ivoire. Assimi Goïté insulte la Côte d'Ivoire. Tout le monde nous insulte. Même à Paris. Vous ne pouvez même pas organiser des conférences, de grands espaces. Diaby Lassene. Diaby Lassene qui était la fierté de la diaspora. Vous avez enlevé Diaby Lassene. Mais c'est un réseau. Vous êtes dans un réseau. C'est ce réseau-là qui vous paye pour nous insulter. Mais allez-y leur dire que Zasso dit. Ce n'est pas ce qu'il attend de vous. Ce qu'il attend de vous, là, c'est de trouver quelqu'un, un garçon qui va remplacer Ouattara. Qui va remplacer le président Ouattara, qui va continuer dignement, qui va mobiliser les Ivoiriens, qui va fédérer les Ivoiriens, qui va faire de sorte que les Ivoiriens soient même chose. C'est de ça que je parle. Mais si c'est pour vous financer, pour venir nous insulter, je trompe. Dites-leur que Zasso dit, vous vous trompez de combat. Il n'est pas votre ennemi. Lui, il est venu au RDR parce qu'il aime quelqu'un qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Il a connu des aînés qui lui ont donné la force de faire la politique. Vous là, c'est pas pour vous que je suis là. Voilà. On était dans l'opposition, on a pris le pouvoir. Les profs d'abord là, quand ils ont perdu le pouvoir là, vous avez vu non? Vous avez vu les profs d'abord, comment ils ont souffert dans ce pays? Quand je me bats là, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que c'est vous qui êtes devenu riche. Hein? Ce pouvoir là, si on le perd, c'est vous qui allez courir dans ce pays, c'est pas moi. Si en 2025 on perd ce pouvoir, c'est vous qui allez tout perdre. Parce que vous, vous avez investi, vous avez eu l'argent. Tout l'argent du pays là, c'est à vous. Vous vous êtes enrichi tellement que le jour où ce pouvoir là, si on le perd, c'est vous qui allez courir dans. C'est pas moi. Moi je ne vais pas courir. Moi je vais m'asseoir chez moi à Gagnon. Moi je vais m'asseoir à Gagnon et puis je ne vais pas faire parler avec quelqu'un. Et 2010, personne ne fera parler. Personne, parce que le monde entier est braqué. Tout le monde nous regarde. Avec tout ce qui s'est passé en 2010 et en 2020, tout le monde nous regarde. Personne ne va faire par là. Moi, je ne peux pas faire par là. Parce que je vous ai dit, faisons la politique. Organisons la jeunesse. Trouvons des financements. Aidons les gens à faire la campagne. Vous dites, vous ne voulez pas. Ça, c'est votre problème. Le combat de l'opposition, là, ça sera la liste électorale. Parce que Soro a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai attendu. Soro dit tout à l'opposition parce que Soro était avec nous. Soro connaît nos forces et faiblesses. Soro allait tout dire à Babou. Il allait tout dire à Thiam. Au lieu de chercher à s'organiser, au lieu de chercher chaque jour à prier pour que Dieu donne la force à Zasso, pour que Zasso continue de mener le combat, vous déversez toute votre haine contre moi. Mais si vous, ça dit quand vous êtes mille et puis vous faites vidéo contre moi, c'est que je suis fort. Ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. Si moi j'ai fait là, si j'ai fait là, vous pensez que j'ai un problème pour aller dire à Thiam, comme on dit que je suis Thiami, Thiam, donne-moi à manger. Il va me donner. Il va me donner, il ne va pas me refuser. Comme vous dites que j'ai fait. Si je vais le voir, il va me donner. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est au nord là, chaque jour on partage l'argent aux populations nord. Pas de sac de riz. On rentre dans les maisons. Chez moi à Gagnon, je ne peux pas partager sac de riz à mes parents. Je suis ici. Depuis on est au pouvoir, c'est au nord qu'on partage les sacs de riz seulement. Les financements, tout, ce sont les fils du nord. Nous, on gagne quoi? On ne gagne rien. Mais c'est une injustice grave. On appelle ça de la discrimination. Vous nous avez rejetés. Vous nous rejetez, vous ne nous aimez pas. On parle, on dit, il ne faut pas en parler, on n'a qu'à se taire. Je ne vais pas me taire. Moi, Zasso, je ne vais pas me taire. Des gouvernements où il y a des ministres qui sont faibles. On fait du chantage même à des ministres. On fait du chantage à des cadres. Je ne vais pas accepter ça tant que je suis là. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. Parce que j'ai combattu Gbagbo sans état d'âme. Vous et vos cadres qui sabotez le... Et puis vos cadres là, nombreux sont avec Soro. Soro l'a dit. Nombreux sont avec Soro. Vous voulez que je parle? Moi là, vous voulez que je parle? Je suis une bibliothèque. Je suis trop rempli. Ma tête là, c'est trop rempli. Faites très attention. C'est la dernière fois que je vous vois faire des panels. Pendant des heures pour me dénigrer. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et je vous mets en garde. C'est la dernière fois. Parce que ce qui va sortir... Où on est allé dans la période électorale? On est en période électorale. Si vous voulez vraiment être des ennemis du président Ouattara, commencez. Vous allez m'attendre.
Bon, Ricky. Ricky, je te donne la parole, après je donne à Mira Blindé, après il est où Ricky? Bon, il y a mon fils, il y a Timothée. Est-ce que c'est toi Timothée même? Timothée, toi, tu me connais pas. Non, comme le truc a changé, comment tu vas mon frère? Tu as la parole. Je vais bien. En tout cas, franchement, le frère, je voulais t'encourager dans ce combat que tu es dedans depuis des décennies. Toute cette souffrance que tu as endurée sur le terrain, tous les combats que tu as menés depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui, qui malheureusement, je dis bien malheureusement, jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore reconnu, moi, je dis Dieu est grand, le président Ouattara voit. Un jour, il verra, franchement. Du courage, tu mènes un très bon combat. Tu es dans la droiture. Tu sais, les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Et tu sais de quoi je parle aussi, puisque toi et moi, on se connaît très bien. Dans notre parti, là, au RHDP, là, il y a des gens qui ont peur de la vérité. Or, il faut qu'on soit dans la vérité pour faire avancer ce pouvoir-là. Franchement, quand je m'assois aujourd'hui, et puis je nous vois en train de nous battre encore pour convaincre les Ivoiriens, ça veut dire que quelque part, les cadres ont échoué. Le président a fait, il a fait le boulot. Est-ce que tu penses que vraiment avec ce que le président a fait là, nous on avait besoin encore d'aller sur le terrain courir derrière les militants? Les gens devraient venir vers nous. Mais si nous aujourd'hui nous sommes en train de partir vers les militants encore, ça veut dire que quelque part, la mobilisation au sein du parti a échoué. On n'a pas pu avoir des gens pour convaincre. Alors que les ressources comme vous par exemple sont là. Qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui de vous donner des moyens qu'il faut pour aller sur le terrain? Pourquoi? Ceux à qui ils donnent les moyens, là, on voit que le résultat n'est même pas là. Le résultat n'est pas là sur le terrain. Et chaque jour que Dieu fait, tu en parles. Tu en parles. Mais j'ai comme impression que les gens ont bloqué ta parole pour que ça atteigne le président. Mais il faut toujours continuer. Un jour, le président va entendre. Et ce jour-là, les Ivoiriens verront que tu as été toujours dans le vrai. Moi, en tout cas, tu as mon soutien. Je te soutiendrai du matin jusqu'au soir. Tu as mon soutien. Continue le combat. Ce sera dur. C'est dur. Mais un jour, ce sera mou. Tu as tout mon soutien, Zasso. Ceux qui t'insultent aujourd'hui, ceux qui nous insultent, nous qui ne sommes pas du Nord, qui nous insultent aujourd'hui quand on parle, qu'ils continuent les injures. Mais un jour, ils verront que nous avons été dans la droiture et dans la vérité. Le maçon, il est très rapide. Le maçon, il prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais quand la vérité arrive, on sait que la vérité est sur le terrain. Et on est à on est à quelques pas de la vérité. Parce que 2025, là, c'est dans moins de 16 mois, hein. Ça est déjà là. Tu as touché un point tout à l'heure que moi-même, depuis le samedi dernier, qui me fait extrêmement mal. Regarde l'image de Korogo. Regarde ce qu'on a vu à Korogo. Ça, quand tu vas en parler, ils vont dire oui, c'est rentré là, c'est sorti. Alors que c'est une vérité que tu vas faire sortir, mais qui va leur faire mal. Pourtant, c'est la vérité. Regarde l'image de Korogo. Est-ce que nous, on avait besoin de ça actuellement? Mais voilà, c'est une faillite. Je rectifie, Doua Timothée a été le responsable, il a été l'un des responsables RHDP, RDR. C'est un grand militant RDR. Ça, je dis bien RDR. Doua Timothée, tu parles là. Timothée, là, il est RDR. Depuis l'opposition. Depuis l'opposition. Pour C'est des gens qui ont mené la lutte. Brièvement, je leur dis que ma première carte du RDR, je l'ai prise en 95 en tant que militant de base à Abobo, plateau de Kouï. J'ai été président de comité de base. J'ai été secrétaire de section. J'ai été administrateur du parti. Je suis arrivé en exil ici avec certains ministres. Je préfère taire leur nom. Vas-y, tu as la parole. On a dormi dans la même chambre d'exil ici, en Suisse. Et j'ai assumé des hautes responsabilités au niveau de la Suisse ici en tant que dirigeant du RDR ici en Suisse RADP et ensuite. Mais voilà, aujourd'hui je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler du combat de Zasso. Zasso, franchement, tu as tout mon soutien. Vas-y, c'est dur, je sais que c'est dur. Mais quand Frère, c'est c'est plus dur, dur, hein, seul c'est le plus dur dur, avance. c'est dur parce qu'on a en face de nous des gens qui ne comprennent rien. C'est ce qui nous fatigue un peu. Effectivement. Ce qui nous fatigue moralement, ils ne Effectivement. comprennent rien, ils ne savent même pas ce qui se passe aujourd'hui. Comme Doua, regarde,
On fait un militant. On dit on veut recenser tous les militants RHDP. On décaisse beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a 400 000 militants. On n'a pas, jusqu'à présent, on n'a plus autre point. On a arrêté là. Mais on devait, le président voulait 3 millions. On n'a même pas encore atteint les 3 millions. Diom Soro était à Paris et Diom Soro se moque de nous. Il dit non, il dit qu'ils ont eu 3 millions. Que ce n'est pas vrai. Que c'est quel parti politique qui peut faire ça? Mais attends, moi je suis inquiet. Franchement, il y a du boulot malheureusement encore à faire au sein de notre parti. Il faut qu'on travaille. Il faut... Les gens pensent que 2025, ce sera comme 2015 ou 2020. 2025, ce sera triplement difficile. Parce que nous aurons en face de nous des gens. Des gens qui ont la même force ou presque les mêmes forces comme nous. Et ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on commence dès maintenant à commencer le terrain. Franchement, 2025, ce ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas de tout repos. Il faut que le parti le sache et qu'on se mette déjà au travail. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, c'était pour te dire une fois de plus que tu es dans le vrai combat. Continue. Non, tu as 2 minutes, tu peux parler. Eux-mêmes, ils sont là, tu as 2 minutes, tu peux parler. Ils sont là, on est obligé. Mabri Touakeus. Mabri Touakeus, tu as lancé désobéissance civile. Mabri Touakeus, là, on l'a nommé à la présidence. On l'a ramené dans le parti. On a fait délégation. Ils sont allés demander pardon. Mabri Touakeus. Vous ne voyez pas ça. Ça, là, vous ne voyez pas. Mais toujours ces assauts, ces assauts, ces assauts, c'est quoi votre problème? Mabri Touakeus, là, il est parti, là, ils ont mis l'argent à sa disposition. Ils ont mis l'argent à sa disposition. Ils l'ont nommé ministre aujourd'hui. Ministre de la présidence. Ça ne vous dit rien. Mais ces assauts, 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 assauts. Parce que Mabri Touakeus, là, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous l'avez fait? Mabri Touakeus, là, c'est pas lui qui devait être maintenant, lui, là. Il devait être devant la justice. Pour tout ce qui s'est passé devant la désobéissance civile. Mais nous, là, on ferme nos bouches sur ça. Moi, je ferme ma bouche sur ça, je ne parle pas. Je ne parle pas. Non, Timothée. Oui. Donc, voilà ça, mon cher frère. Merci beaucoup pour le combat. Continue. Tu es dans la vérité. Je te dis que tu es dans la vérité. Ça fait mal à certaines personnes d'entendre ça. Mais au moins, on n'est pas hypocrite. C'est ça la force de nous qui traite de Boussoumani là. Nous, quand on est avec toi jusqu'au... Même dans la boue, on sera avec toi. Claire. Mais tu entendras toujours la vérité de notre bouche. Je ne te coupe pas la parole hier. Je ne te coupe pas la parole il y a... Pour une fois. Mon neveu Soule de Paris a fait... Il était sur son panel. Et il reconnaît que nous, on nous traite de Boussoumani. Pour une fois... J'ai m'assois ici pour féliciter Soule. Soule dit, à chaque fois que c'est comme ça, ils insultent. Mais Soule, c'est de nous parler. Ils ont formé un bloc pour nous dénigrer. Leur travail, là, c'est d'aller chez les cadres là pour dire, Zasso est comme ça. Zasso est ceci. Mais vos cadres, là, quand vous finissez, là, moi, je les appelle. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Quand vous finissez vos réunions, là, moi, Zasso, je suis informé. Et je prends mon téléphone, je les appelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne peuvent plus vous payer. Parce que je leur ai dit... Si prochaine fois j'attends, je vais les exposer. C'est-il deux hommes? Une minute. Vas-y. Donc tu vois, cher ami, Absoule de Paris, mon neveu, Soule a reconnu ça. Pour une fois, j'ai félicité Soule. Donc, il y a combien de personnes qui sont là? Je vois Nina la Lyon, je vois Jessie, je vois Kone, je vois LH, on veut, je vois Mira Blendé, je vois Général. Tous les sourous, ils sont venus. Hein. Je ne sais pas s'ils sont venus me soutenir ou bien ils sont venus m'insulter. Parce... Mais ils savent que tu es dans la vérité. Admirable. Non, ceux-là, leur sourou ne sera pas amnistié, je leur ai déjà dit ça. Il y a Chang le Dozo qui est là. Il y a Soro, il y a encore un autre Soule. En tout cas, hier, mon neveu Soule m'a soutenu hier. Ça, je ne peux pas mentir. Soule dit, les gens me traitent de Boussoumani. Que lui ne veut plus. Il ne veut plus qu'on me traite de Boussoumani. Donc hier, j'ai eu le soutien de mon neveu Soule.
Ah, j'ai eu le soutien de mon neveu sous les hier. Sous les dit qu'on me traite de Boussoumani, tous les. J'ai dit, j'ai écouté hier sous les. Et il y a un petit, il rappelle Benito. Benito hier, il a fait quelques jours, on m'a envoyé sa vidéo. On dit, mais Benito dit, mais pourquoi les gens là t'insultent trop comme ça? C'est parce qu'ils ne sont pas cultivés politiquement. Voilà, eux, le président Ouattara, c'est leur propriété privée, nous on n'a rien à dire. Nous on va se taire. Voilà, on, eux. Mais moi je ne suis pas venu vous suivre. Moi je suis dans un parti politique. Et ce parti-là, je vais me battre pour que les comportements changent. Ouvert doigt. En tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Il faut qu'on reste à l'intérieur du parti et qu'on se dise la vérité pour que les choses avancent. Ce que nous disons là, ce n'est pas contre le parti. C'est pour le bien du parti. C'est pour le bien du parti. C'est pour le bien du parti. Ce que nous disons, s'ils écoutent, s'ils suivent, ils verront qu'on n'aura même pas besoin de se battre en 2025 pour pouvoir gagner. On va gagner les élections. Facilement. Facilement. Il faut qu'on arrête certaines pratiques au sein de notre parti. Il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter les frustrations. Il faut arrêter les nominations de complaisance. Mettez des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Tu as touché deux noms tout à l'heure, sur lesquels même j'avais déjà fait une publication il y a deux jours. Il est où Karamoko Yayuro aujourd'hui? Ils ont jeté Yayuro? Je te le jure. Tchakore, bon, ok, Tchakore vient d'être nommé sénateur, mais est-ce que tu penses qu'un homme comme Tchakore sur le terrain, on a besoin encore de mouiller le maillot? Voilà. La parole de Tchakore seul, la parole de Yayuro seul, c'est fini? Les gens vont sortir, les grenadiers voltigiers vont sortir, mais ceux-là aujourd'hui, nos leaders, là, ils sont où aujourd'hui? Yayuro, ils ont mis Yayuro à la primature dans un petit bureau. Je suis allé à Abidjan, je me suis renseigné, j'ai dit où est Yayuro? On dit c'est pourquoi, j'ai dit je veux voir Yayuro. Il est devenu quoi? Ils l'ont mis dans. Yayuro, tu as mobilisé, tu connais les militants, tu connais le comportement, les réactions, tu as été habitué aux militants pendant des années. Ils l'ont mis dans un petit bureau. Il est dans un petit bureau, il est entre combien de mètres carrés? Je suis arrivé, je lui ai dit frère, c'est ton bureau, Gérard. Mais Yayuro, on peut le mettre quelque part. Quelqu'un, tu connais les militants. Ils l'ont mis dans un petit bureau. Et on prend des gens qui n'ont même pas mené le combat et on les nomme des ministres, des DG, des quoi-quoi. Et Yayuro est conseiller à la présidence. Yayuro avec qui on était à Bobo, à Yopougon, à Koumansi, à Man, à Pou, partout où on a eu 32%, Yayuro est dans un petit bureau. Et ils prennent le parti, ils confient ça à d'autres personnes. Et ils disent, moi, j'ai sorti de me taire. Je suis désolé, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. La vérité fait mal, mais il faut qu'on la dise. Aujourd'hui, là, à cause de terrorisme, ils disent que non, nous, on cherche l'argent. Mais à cause du terrorisme, on a mis des milliards dans le Nord. On dit non, on va financer les projets des jeunes du Nord pour empêcher le terrorisme. Mais on a mis beaucoup de milliards dans le Nord. C'est des milliards qu'on a donnés aux fils du Nord. Pourquoi quand nous, on parle, on dit que nous, c'est parce que... Non, mais ce n'est pas sérieux. D'où voilà un peu le problème. Franchement, c'est triste qu'on en parle sur les réseaux sociaux, mais lorsque tu parles en interne, que tu parles, qu'on ne t'écoute pas, tu as oublié de faire sortir. Ah oui, mais on va faire sortir. Et je pense que c'est ce que tu as compris, que tu es en train de dire depuis un certain temps. En tout cas, tu as tout mon encouragement. Doua, comment toi tu peux comprendre qu'on dit, le président Ouattara dit, je suis fatigué, je vais me reposer. Et lui-même, il dit, j'ai une demi-douzaine. Mais pourquoi Zassou a dit, un groupe s'est levé pour dire Ouattara est candidat. Les gens m'appellent, non, Zassou, si c'est Bakongo a dit ça, et Achoz a dit ça, Bitogo a dit ça, Touré Mamadi a dit ça, non, toi, tu ne dois plus parler. J'ai dit, attendez, vous me prenez pour qui même. C'est pas parce que Touré Mamadou ou si c'est Bakongo et autres ont dit que le président Ouattara est candidat que moi, je vais me taire. Non, ce sont des militants. Ils ont donné leur opinion. Mais il faut que moi aussi, on m'écoute aussi. Même si je suis seul. Le président n'a pas encore dit à quelqu'un qu'il veut être candidat. C'est un groupe qui s'est levé, un groupe qui a tout détruit, qui a saboté, qui a gâté tout là. C'est ceux-là qui se lèvent, ils reconnaissent que ça ne va plus, que c'est inquiétant. Non, il faut aller forcer le président pour dire, président, pardon, il faut être candidat, parce qu'on a tout gâté. Mais c'est ça qui est la vérité. Sinon, normalement, attends, après 14 ans de pouvoir, nous, on va avoir peur de tiens.
C'est parce qu'on a eu peur, on a peur de Thiam quand ça va chercher le président. C'est ce que je te disais tout à l'heure, voilà. De façon voilée, j'ai dit, avec ce que le président a fait aujourd'hui là, est-ce que nous on avait besoin de courir, d'enlever encore le t-shirt pour se battre? Non. Avec le bilan, avec ce que le Prado a fait, on n'avait même plus besoin de certaines choses. Non. Ça veut dire qu'on partait en roue libre. Mais pourquoi aujourd'hui on est obligé de courir dans tous les sens? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait? On se reproche quoi pour que déjà on commence à courir? On a enlevé déjà chemise, on a enlevé pantalon, on a train de courir en slip partout dans les rues. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le bilan du Prado? On a peur de quoi? On commence à courir maintenant là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui nous dit ce qui n'a pas marché, on va corriger avant 2025. Franchement. Ils ne sont plus la même réalité. Nous ne serons pas celles de 2025. Je leur ai dit, j'ai dit, Macky. Les données ont changé. Macky Sall là. Les données ont changé, hein. Macky Sall là. Si Macky Sall a perdu, c'est parce que les gens qui l'ont mis autour de lui là, ils ont tout gâté. Bassirou et l'autre ont vu tous les secrets, les détournements. C'est ça qui a tué aujourd'hui Macky Sall. Sinon, quel que soit le candidat de Macky Sall, Macky Sall gagnait. Mais c'est le comportement là, c'est ce que nos gens là ont. Et ça,